Hello! Beau temps pour une balade aujourd'hui. Alors, je me trouve sur l'ancienne voie dite romaine entre Puy-Laurens et Lavaur. Là, ça, je pense que je vais me régaler. Non, c'est raté pour celle-ci. Ah, celle-ci, nickel, regardez. Regardez ce qui sort. Excellent. Donc ça c'est de l'églantier ou rosier sauvage. Son fruit que beaucoup connaissent, hein, le cinérodon, est très très riche en éléments minéraux et surtout la vitamine C. Donc là je suis en train d'emmagasiner ma vitamine C journalière. Donc qu'est-ce que c'est cette voie? Cette voie elle fait 28 km de long et relie les deux cités. Hein. Ces deux cités c'était deux villes qui étaient autrefois fortifiées, qui ont toutes les deux connu la période des cathares, également qui sont situées en plein milieu du pays de Cocagne, le pays du pastel. Ce qui est intéressant dans cette balade, c'est que tout le long, quasiment, évidemment à condition d'avoir la vue dégagée, mais on a une vue sur les Pyrénées, waouh, magnifique, magnifique. Là, avec le soleil couchant, on est un peu à contre-jour. Et puis tout de suite, au premier plan, c'est la montagne noire, le massif de la montagne noire, qui se détache très très bien aujourd'hui. Le sentier il est très agréable, c'est tranquille, on est au milieu des chênes, des genévriers, des genêts d'Espagne. Le sentier n'est pas difficile du tout. Et en plus je suis en t-shirt, on est le 22 décembre, je suis en t-shirt. Vraiment, journée splendide, je ne vais pas me plaindre.